Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, c'est Alex The Blood Cat qui vous retrouve pour une vidéo comme promis sur le multijoueur de Far Cry 3. Sans plus tarder, on va y aller. Alors, partie rapide. Est-ce que j'ai le temps de faire une configuration? Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Hein. Oula. Bon ok, j'ai pas le temps de choisir ma classe, enfin de la configurer. C'est pas grave, on va faire avec. Alors là, on est en train de faire une partie match à mort. Match à mort par équipe. Je pense que les habitués de Call of Duty savent ce que c'est. Autrement, bah, c'est du team deathmatch. Voilà, deux équipes s'affrontent. Et l'équipe qui marque le plus de points a gagné. Voilà, donc j'ai commencé à jouer à ce mode de jeu là. Percez sang, tirez pour tuer. Vous êtes en match à mort sur Jungle. Maintenant, écoutez-moi. Votre objectif est très simple. Vous devez tous les tuer. Et faire plus de victimes dans leur rang, ils n'en feront dans les nôtres. Ça, c'est Vasse. Cool. Vasse qui nous explique un peu le topo, voilà. Pas la peine de les enterrer. Ok, alors c'est parti. Donc j'ai pris une classe où j'ai mis le AK-47 et un pistolet. J'ai droit à une grenade. Alors, ce jeu, enfin ce mode multijoueur ressemble un peu, voire même beaucoup, au multijoueur de Call of Duty. C'est pas un reproche, hein, de toute façon, Call of Duty avait déjà marqué de bonnes bases. Punaise, je l'ai raté. Oh la vache. Ah punaise, ça y est, je l'ai eu, ouais. Vite, faut que je réanime mon pote. On peut réanimer ses amis, comme ça, ça nous rapporte des XP. Il y a énormément de façons d'obtenir des XP. Voilà. T'es... Ah non. Non. Vite, qu'on vienne me sauver. Alors, là, je viens de faire un cri de guerre, c'est-à-dire que j'ai hurlé, ça m'a rapporté des XP, et ça a conféré à ceux qui étaient autour de moi. Ouais, bon, c'est pas la peine, hein. Non, c'est pas la peine, tant pis. Et ça a conféré à ceux qui étaient autour de moi des compétences diverses et variées. Par exemple, leur permettre de courir plus vite, je crois. Ah non, mais c'est pas vrai. Oh là là, les mecs là, venez me sauver. Non, bon bah tant pis. Allez. La killcam est vraiment bien faite, hein. On voit qui vous a tué, de quelle façon, la trajectoire de la balle et tout ça. Donc là je peux pas crier parce que j'ai pas de... Oula, j'ai pas d'amis à proximité. On a aussi la possibilité de marquer nos ennemis avec la touche C je crois. Comme dans Battlefield 3 ou Bad Company 2, je sais plus, hein. J'ai pas joué au Battlefield, mais je sais que ça c'était possible. Ah je peux toujours pas crier. Oula. Là je peux crier là. Voilà. Donc là, voilà, il nous a amélioré notre vitesse, et puis nous, on a fait pareil. Donc ça, c'est un bon moyen d'encourager la coopération entre les différents membres de l'équipe. Ça pousse au travail d'équipe, quoi. Et c'est bien, ça nous... voilà, il a augmenté ma santé maximale. Vous voyez que ma jauge de vie a pris un peu plus. Donc là, je peux pas... Ah, merci les gars. Oh punaise, j'ai cru que c'était un ennemi. Y'a personne. Oula, s'il y en a un. Aïe. Donc y'a énormément de choses. Oh mais c'est pas vrai. Oh non. Le mec il m'attendait quoi, il campe. Oh punaise. Ça y est, c'est le phénomène campus de Call of Duty. Ok, bon. Finger. Aïe. Non. Allez, font du spawn kill maintenant, c'est de mieux en mieux. Je bois un coup. Donc je disais, il y a énormément de façons de gagner des XP tout en aidant ses coéquipiers. Donc, lui j'ai marqué. Vous mourrez plus tard. Je crois qu'il est mort. Non, il est pas mort, mais il va l'être. Je sais pas si je l'ai eu, en tout cas, je l'ai marqué et ça a aidé mes amis, je suis content. Oh, une bonne arme. Attends, elle est où? Là.
Hop là, ça c'est mieux ça. Je préfère. On va balancer une petite grenade. Donc après, au fur et à mesure qu'on gagne des XP, on débloque des bonus. Un peu comme les bonus de série d'élimination dans Call of Duty. Oula. Putain, j'ai failli t'avoir toi. Il y en a qui sont un peu partout là. Un peu, si vous avez joué au multi de Call of Duty, vous savez qu'au bout de 3 ennemis abattus par vous, vous pouvez débloquer un drone. Là c'est un peu pareil, sauf qu'on n'a pas besoin nécessairement. Et là je peux plus bouger, qu'est-ce qui se passe? Ah punaise, il y a des petits bugs comme ça, qui j'ai déjà eu affaire à ça, où je pouvais plus bouger quoi. Voilà. Et lui, il m'a eu avec la machette. Bien joué. Enfin bon. J'étais un petit peu handicapé. Donc la grande différence, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de tuer des ennemis. Quoi. On remplit une jauge petit à petit, puis quand elle est pleine, on peut balancer un drone ou attendre qu'elle soit plus remplie pour balancer autre chose. Donc ça, c'est... On est invincible. Ah, j'ai voulu le marquer, mais j'ai pas réussi. Donc je trouve que c'est un peu mieux que COD, même si avec les derniers épisodes ils ont essayé de modifier ça justement. Mais bon, Call of Duty, j'y joue plus. Mais c'est vrai que ça, c'est bien fait à ce niveau-là. Il y a vraiment de quoi encourager le travail d'équipe, et même les noobs comme moi, et ben, ils peuvent y arriver. Ah punaise! Sauf que là, bah voilà, j'ai pas réussi. Il y en a qui sont déjà très bons. Bah, je vous montre déjà les scores. Donc il y en a déjà qui sont avec de très bons niveaux. Ouais, parce qu'il y a un système de niveau et de classe, hein, c'est pareil. Alors par contre, il y a certaines choses que j'ai pas encore bien compris, c'est le décollage. J'ai décodé un truc, je crois que ça m'a donné un machin précis. Enfin, si on peut obtenir des bonus avec ça, là encore, c'est plutôt pas mal. Je suis en train de faire un vidéo test du truc, là, c'est... Ah, il y en a un là-bas. Oh oui ! Et sans XP sans plus. Oula. Non, c'est un pote. Alors on est les pirates et on joue contre les rakiats, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Il y en a un qui est à terre là. Faut que j'aille le réanimer. Allez, relève-toi. Voilà, 200 XP. Pour l'instant ça manque. Oh là. D'accord, il est là-bas. Vite, aidez-moi. Aidez-moi. Non, non, ils viennent pas m'aider. Allez, viens m'aider, toi. Non, t'en as rien à foutre. Bon, bah, tant pis. Ben, voilà. Oula, j'ai bientôt le drone de débloquer, là. Ouais. Voilà, je vous ai expliqué en gros ce qu'il y avait. Après, j'ai pas, évidemment, tout compris, hein. C'est quoi, j'ai fait 2-3 parties avant et là voilà, j'ai décidé de vous faire une vidéo. Je remercie d'ailleurs, même s'ils ne se reconnaîtront pas. Oula. Non, c'est un pote. Oh, on a perdu. Bon, et eh ben tant pis. Ah ouais, ça c'est bien aussi ça. Le meilleur joueur de l'équipe adverse se retrouve face au trio des ennemis les plus forts. Et ils peuvent décider de le libérer ou pas. Là, ils ont décidé d'être gentils, ce qui est vachement sympa. Donc ouais, je vais continuer à jouer de mon côté. Hein. Voilà, des décodeurs sont disponibles. Alors, accéder au décodage. Ok, voilà. Prêt pour décodage. Donc, je vais le décoder et... ouais, ok. Voilà, ça sera disponible dans une dizaine de minutes. Ouais, bon, j'ai pas encore tout bien compris, mais ce que je sais, c'est que c'est sympa. Hein. Ça nous donne des cadeaux. Voilà, donc des petits bonus. Alors, je vous disais que j'allais continuer à jouer. Je remercie à tous les joueurs là, qui m'ont accompagné, même s'ils ne se reconnaîtront pas.
Et bah voilà, je vous laisse et je vous retrouve pour une prochaine vidéo, soit en solo, soit en multi. Allez, à plus, et ça commence.